Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Mercato. Un Mercato, vous commencez à le savoir, diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube, des plus encore. Pour débuter, commençons par les hommes et par le départ d'un habitué de ce plateau, Marc-Olivier Pénin, qui quitte la française Rennes. Conséquence, deux promotions. Thierry Molleton devient directeur général en charge de l'immobilier et Guillaume Allard devient directeur général délégué en charge du volet financier, de quoi pousser Philippe Depoux, le président de la maison, à dire « je passe d'un trio opérationnel, Thierry, Guillaume et Marc-Olivier, ayant collaboré de très longue date ensemble, à un duo qui me rapportera directement ». Philippe Depoux, lui, sera avec nous en plateau au mois de juillet pour le prochain Club Expert Immobilier dans Et Plus Encore. Quant à Marc-Olivier Pénin, la rumeur dit qu'il va chez Altarea. Nous en saurons certainement plus dans les prochaines semaines. Et comme nous aimons les informations chez Et Plus Encore, nous aurons l'occasion d'en parler lors du prochain Mercato. De son côté, Vincent Hamelink a officiellement pris ses fonctions de CEO de Candriam depuis le 1er mai dernier. Sa nomination avait été annoncée fin janvier suite à la nomination de Naïm Abou Jaoudé à la tête de l'actionnaire de Candriam. Nicolas Forêt devient à cette occasion le directeur des investissements. Ça bouge aussi dans les directions commerciales chez Arkéaïs, l'archipel de gestion du groupe breton où on leur propose différentes expertises, notamment, vous connaissez bien, Schellcher Prince ou Fédéral Finance Gestion, on cherche à prendre le vent des clientèles externes. À la clé, une évolution de la direction du développement et de nomination. D'un côté, nous avons Estelle Merger-Lévy qui devient directrice commerciale en charge notamment de la distribution. De l'autre côté, nous avons Guillaume David qui devient directeur du développement, avec en charge aussi le marketing et la communication. Vincent Pecker, un ex de Taylor AM, occupe désormais le poste de directeur des partenariats chez Perial AM. Il passe de l'asset management financier à l'asset management immobilier. Édouard Laurent, lui, devient directeur commercial d'Opale Capital. Pour mémoire, Opale Capital est une plateforme dédiée à l'investissement dans le non-coté. Paul Moreno-Bloisville, son président, était venu l'année dernière en plateau nous présenter Opale Capital. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Enfin, Romain Huet, le directeur commercial d'Ecofi, une société de gestion à mission depuis 2020, avec une gamme 100% IFR, donc Romain Huet devient directeur commercial. Ecofi, nous avons eu la joie d'avoir Olivier Guillou, le directeur de la gestion en plateau ce mois-ci dans Et Plus Encore, une émission bien entendu à revoir sur etplusencore.com. On a entre autres beaucoup parlé de climat. Enfin, dans les sociétés, ça n'arrête pas de bouger. Ageas France est repris par la CARAC. Il n'y avait plus de grandes surprises, ça fait longtemps qu'on en parle, mais désormais, c'est signé. Pour Michel Andignac, le directeur de la CARAC, ce sera l'occasion de peser 30 milliards sur le marché de l'épargne retraite, mais aussi de s'ouvrir une porte sur le marché qui devient de plus en plus convoité par les mutuelles, le marché des CGP. La Place, comme tous les mois, continue ses opérations de croissance externe ce mois-ci avec le rachat de Delta Finance. DLPK, la maison mère de Norcia, dirigée par Vincent Dubois, a annoncé une prise de participation minoritaire, 35%, dans un courtier luxembourgeois, Warold Brookshed Service. Pourquoi cet achat? Pour accélérer leur développement international. Enfin, après avoir acquis Gaspal Gestion en décembre dernier, Trust Team créé par Jean-Sébastien Bellet ouvre son capital à Finare, un groupe français fondé par Karim Hirouche qui était surtout présent dans l'assurance. Voilà, vous savez tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Mercato. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site desplusencore.com.